Gray, a priori, il avait été crédité de 15-900 l'année dernière en finale à Stuttgart au championnat du monde où elle avait pris la deuxième place, 16-325 en qualif. Donc logiquement, elle peut viser nettement plus haut que 16. Une série à 4 éléments, hein. C'est très très rare. Flip, salto tendu, flip poisson. Ça commence très très fort le salto facial. Une victoire en Coupe du Monde cette année pour elle à Barcelone. Un vrai poisson, parfaitement maîtrisé. Là, on est déjà sur des possibilités de finale et bien sûr de médaille. Même de médaille d'or, on peut oui, dire. Oui, bien sûr. Oui. Parce que la poutre, ça reste quand même, là aussi, un agrès où le risque prime. Mais c'est très très beau. Ce qu'elle fait, impressionnant. Saut pied-tête avec salto arrière par groupé. Surtout la propreté, la sûreté des réceptions. Salto avant, corps groupé parfait dans l'amplitude aussi. Un saut pied-tête aussi, cette difficulté des toute la gamme des sauts. Elle possède toute la gamme des sauts. La gymnaste chinoise à la poutre. Et voilà maintenant, ça sort de la sortie. Oh oui, oh oui, c'est très très fort hein, ce qu'elle a fait, les Chan Chan, c'est très très fort. Le plus gros contenu, hein, j'ai l'impression. Oui, il y a beaucoup d'originalité, de difficulté jusqu'au bout de l'exercice avec une sortie en rondade flip, double salto arrière, corps carpé. C'est très dynamique et donc elle aura une très bonne note. Parce qu'elle, on commence fort et on finit fort, voilà, sur une très très bonne impression. Et donc pour la Chine, ça s'enchaîne, ça monte. La mayonnaise est en train de prendre, j'ai l'impression. Oui, alors évidemment, on évoquait la tension. Bon, on l'a compris, hein, les Chinois et les Chinoises sont parfaitement préparés pour ces jeux. Rien n'a été laissé au hasard. Évidemment, on a envie de briller ici à domicile. Et c'est pas vraiment une surprise, hein, que les gymnastes soient présentes au rendez-vous. Mais on aurait pu imaginer un peu de tension, un peu de crispation. Mais rien de tout ça, hein, parce que là, franchement, elles ont été impeccables à la poutre. C'est parfait, hein, c'est une très bonne...